Je pense que le ministre a été mal entouré à ce stade-là, parce qu'il faut avoir des remparts quand on est politique. Il faut avoir des gens qui soient capables d'analyser les articles, qui soient capables de dire, écoutez, ça, c'est raisonnable, ça, ça l'est pas, de manière à ce qu'on ne se retrouve pas dans la situation au milieu du week-end à faire des déclarations sans que personne ait vraiment lu les papiers. Je suis très sceptique sur la qualité de l'environnement pour les médicaments et pour les choix thérapeutiques du ministre. Je pense que son environnement n'est, comme je vous l'ai dit, l'ancien directeur de la NSM et l'ancien président de l'HAS ont exprimé publiquement leur désaccord avec leur successeur. Et je suis d'accord avec les prédécesseurs. Les directeurs qui sont autour ne sont pas de très très grande qualité, ne font pas mur entre le flux d'informations alarmantes permanent auquel est soumis le ministre. S'il n'y a pas de mur, s'il n'y a personne qui traite les données d'une manière efficace et sérieuse, alors le ministre est exposé d'une manière qui est insupportable. On voudrait mesurer exactement dans l'organisation actuelle qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui ne va pas. La manière dont ça s'est organisé est totalement archaïque, si vous voulez. L'idée qu'il y a des centres nationaux de référence de diagnostic est une idée qui date de 40 ans. Mais pour faire du diagnostic, si vous voulez, on est dans une autre époque. Et donc, on a manqué là, une étape. Donc, il y a un effet taille, un effet équipement actuellement qui est la réponse. On ne peut plus avoir, si vous voulez, cette vision. Regardez, on est à Paris et on distribue comme ça un petit peu, on saupoudre un peu, alors comme ça, personne n'est vexé. Lui, toi, tu as ça comme virus, là, tu as ça. Et cette proposition, elle ne date pas d'hier. Je l'avais fait, elle a failli passer d'ailleurs auprès de Didier Roustan, d'ailleurs, je crois que vous avez entendu récemment. Donc, je pense que cette organisation, c'est ce que j'écrivais il y a 20 ans, est désuète. Je n'ai pas changé d'avis. Il y a des choses qui sont des responsabilités humaines directes et il y a des choses qui sont structurelles. Je pense que si on maintient un système de ces systèmes de petits centres nationaux de référence, vous développerez des personnalités de niche, de blaireaux dans leur terrier qui mordent si on s'en approche. Voilà. Je pense que c'est comme ça. C'est les humains, ils sont territoriaux, et s'ils considèrent qu'une maladie est leur territoire, vous êtes perdus. Alors, je voulais revenir sur le professeur Frogel, qui est au CHU de Lille, et qui dit, dans l'histoire des tests, tout le monde ment, les directeurs d'hôpitaux, Emmanuel Macron, passant par la Direction générale de la Santé et Olivier Véran. Partagez-vous ce sentiment sur l'absence de transparence et la cacophonie? Et est-ce que vous pouvez répondre très précisément à cette simple question? Combien de temps avons-nous perdu à peu près? Frogel, par exemple, avait écrit que lui, il pouvait faire des milliers de PCR par jour et que sa direction lui interdit de le faire. Il y avait le fait de... Il y a eu un mécanisme qui s'est fait, dont je ne sais pas comment il s'est fait, mais il y a eu un mécanisme qui s'est fait, c'est puisqu'on ne peut pas faire les tests sont inutiles. Et c'était l'idée qu'on ne pouvait pas faire les tests n'était pas vraie. Voilà. Et donc cette idée de « on ne peut pas faire les tests », c'est une idée qui est à la fois une idée de monopole, une idée de « ça va être compliqué », une idée de « où vont être les réactifs ». On m'a même dit au début que je ne pouvais pas faire des diagnostics de coronavirus, rien qu'à moi. Donc c'est les mêmes PCR, c'est les mêmes trucs, on les choisit et puis voilà. Donc c'est pas vrai. Donc il y a une part d'intoxication. Et donc c'est pendant tout ce temps, on n'a pas dit la vérité. C'est un examen extrêmement simple, banal. Tout le monde est capable de le faire. Je l'ai dit en face à Delfoissy, je ne suis pas d'accord qu'on ne pouvait pas faire les tests. On pouvait les faire à condition de dire, écoutez, on doit les faire. Et puisqu'on doit les faire, on va les faire. Comment on fait? D'accord. Et bien sûr, moi, j'aurais été ravi de donner mon opinion. Mais pas à travers ce comité qui ne me paraissait pas un comité adéquat. Je discutais, j'aurais dit, écoutez, si vous voulez vraiment faire un comité scientifique, voilà, je vous donne les 10 noms des types qui connaissent le mieux le coronavirus en France. Il n'y en avait aucun de ceux qui connaissaient le coronavirus dans le conseil scientifique. Je vous donne un exemple qui m'a beaucoup frappé. Il y a un monsieur chinois qui avait 80 ans, qui venait de la zone de Hubei, pas de Wuhan, d'accord, qui s'est présenté à la Pitié-Salpêtrière. Il avait de la fièvre, il avait 80 ans, il revenait de Chine. Il n'a pas été testé, parce que Santé publique avait dit qu'il faut tester que les gens de Wuhan qui ont de la fièvre et de la toux. Il est rentré chez lui, il est revenu 7 jours après avoir contaminé sa fille, et il est venu mourir dans un hôpital dans lequel on lui a donné du remdesivir. D'accord. Donc c'est toute l'histoire qui s'est passée quand même, de A à Z. En revanche, la structure de la mortalité est témoin de la qualité des soins. C'est-à-dire que si vous avez dans un même échantillon de 100 personnes, vous avez 9% ou 8% de morts de moins de 65 ans, ou s'ils avaient le double, ça signifie qu'il s'est passé quelque chose
dans la qualité de la prise en charge et du soin. Et ça, c'est indépendant de la fréquence, c'est indépendant des tests. Nous sommes d'accord. Il y a deux éléments qui me paraissent être des éléments inquiétants dans cette question. La proportion, vous voyez, des gens qui sont morts, qui ont moins de 65 ans, à Paris, sur les données que j'ai, de 17%. Je vous rappelle qu'en Europe, elle est de 10%. Donc il s'est passé quelque chose ici sur la prise en charge. La mortalité dans les réanimations ici, dans ce travail, toujours, est de 43%. Chez nous, elle est de 16%. Et c'est les mêmes malades, là. Ils sont tous en réa. Donc il y a quelque chose... Si vous voulez, il y a une... Et à mon sens, c'est une vraie, il y a eu deux vrais problèmes pour moi, en dehors des phénomènes structuraux, pour lesquels ce n'est pas des questions d'individus, c'est des questions de structure. C'est de décider de ne pas s'acharner sur le soin. Et donc le soin est passé au second plan. Ça revient sur un des problèmes qu'il y a eu dans ce pays, c'est que les malades ont été transformés en objets d'essai thérapeutique. Et ce n'était pas ce qui devait se faire. Ces deux questions que j'avais déjà soulevées dans mon rapport au ministre, c'était les conflits d'intérêts. Vous pouvez le lire, hein, il est online. Hein. En 2003, j'avais dit il faut faire attention aux conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts représentent un véritable problème et ils vont nous polluer. Vous avez eu depuis le Mediator, vous aurez Gilead et vous aurez les autres. Mais au bout d'un moment, il faudra s'en occuper pour de bon. Dominique Maraninqui, quand il était directeur de la NSM avec Xavier Bertrand, a mis en place Santé-Gouv, qui était Transparence Santé-Gouv, qui est très bien, mais il faut s'en servir. Il faut le regarder. Regardez ce qui se passe. Et donc, quand les gens ont des conflits d'intérêts, ils ne peuvent pas parler de choses. Monsieur le professeur, qui a eu des conflits d'intérêts dans, au sein du conseil scientifique ou dans la périphérie? Non, mais regardez. Tout ça est transparent. Mais, hein. Bah, peut-être c'est pour vous, pas forcément pour nous. Écoutez, vous avez, c'est pas compliqué, vous avez un site qui est très bien, parce que Santé-Gouv, Transparence Santé-Gouv, c'est un peu compliqué parce qu'on mélange tout. On mélange, il y a les repas, etc. Mais sinon, il y a un site qui regroupe tout, qui s'appelle Euro4Doc. Vous n'avez qu'à regarder, vous mettez tous les noms, Euro4Doc. Tout ce que je vous dis, c'est tout sur Internet, c'est simple comme chou. Hein. Le ministre écoute ce que je dis. Après, c'est pas la seule information qu'il ait. Là, c'est pas moi qui suis en permanence à le conseiller et à lui donner les conseils. Donc si les conseils de proximité sont faits par des gens qui n'ont pas les nerfs, ou qui n'ont pas la compétence, c'est un véritable problème. Monsieur le professeur, vous portez un constat sévère et grave, puisque vous décrivez un peu un ministre sous influence, avec des directeurs. Quel directeur vous ciblez aujourd'hui sur cette faiblesse? Clairement, pour les médicaments, c'est le directeur de la NSM et puis le président de la Haute Autorité de Santé. Clairement, c'est eux qui ont pris ces décisions. C'est vrai que le conseiller... de maladies infectieuses, et là aussi il y a des conflits d'intérêts extrêmement sérieux dans la Haute Autorité de Santé, que vous pouvez regarder sur Internet aussi, hein, c'est pas compliqué tout ça. Je dis pas que le ministre est sous influence, un ministre ne peut pas ne pas être sous influence. Il a un cabinet qu'il a pas choisi, il a des directeurs qu'il a pas choisi, il arrive au milieu d'une crise. Donc si les gens qui représentent la force institutionnelle n'ont pas la capacité de le protéger, et au contraire lui font croire que pour le protéger, il faut qu'il interdise des choses qui vont tuer les gens, bien entendu, on arrive à des situations qui finissent par être paradoxales, où on finit par être seul au monde, quand même, à penser ça. Merci. Alors, Martine Vonner. Merci, Madame la Présidente. Professeur, alors, vous nous avez dit que vous étiez en contact régulièrement avec les plus hautes instances de ce pays, mais avez-vous eu l'impression d'être entendu ou d'être compris? Pourquoi? État d'urgence le 23 mars. Suite à cet état d'urgence, deux décrets, 25 et 26 mars, qui ne réservent l'hydroxychloroquine qu'à des stades tardifs, hospitaliers, avec toute une graduation d'états cliniques graves. Or, ce n'est pas du tout votre protocole, puisque dès qu'il y a un patient testé positif, vous mettez en place la bithérapie. Peut-être qu'un autre messager était plus entendu, parce que dès la réunion du 5 mars de pré-conseil scientifique, les laboratoires sont présents et le chef de service de Bichat, Yazdan Pana, qui n'a que le mot remdesivir à la bouche, est présent également. Alors peut-être était-il un messager qui était plus écouté que vous. Qu'en pensez-vous? D'abord, moi, quand j'ai commencé à discuter avec le ministère, on m'a tout de suite dit celui qui va gérer les essais, celui qui va faire le truc, c'est Yazdan, dès le début. Et dès le début, il m'a parlé que du remdesivir, dès le début.
avant même que la sensibilité du remdesivir au virus soit testée. Je sais qu'il faut tuer le messager, mais je n'ai pas compris comment ça pouvait déclencher un tel scénario de truc, ce truc tue tout le monde, quand on parlait de deux des médicaments les plus prescrits dans l'histoire de l'humanité, quand même. Hein. Donc comment on est arrivé à dire que ces trucs-là avaient une toxicité aussi incroyable, alors qu'encore une fois, l'hydroxychloroquine, en 2019, elle était donnée sans ordonnance. Et après, on ne les trouvait même plus, on n'avait même plus le droit de la prescrire. Donc ça pose des problèmes, y compris parce que les gens qui avaient d'autres maladies, qui avaient de l'hydroxychloroquine, n'arrivaient pas à l'avoir dans les pharmacies. Comment on est passé d'un côté à l'autre sans que personne... C'est vous qui devriez vous poser la question. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce médicament? Qu'est-ce qui a changé dans ce médicament pour que la France passe de... On n'a même pas besoin d'une ordonnance à... Même avec une ordonnance, on ne vous le donne plus. Il y a quelque chose qui s'est passé, quand même. Je ne connais pas Trump et je ne connais pas Bolton. Voilà, je ne le connais pas. Et donc, ce n'est pas moi qui leur ai dit d'utiliser la chloroquine. Donc, voilà. La chloroquine est recommandée pour une population d'à peu près 4,5 milliards de personnes dans le monde. D'accord ? Donc, c'est difficile de penser que ça n'est jamais arrivé de ma vie qu'il y ait une tension de cette nature-là. Et vous avez vu qu'elle est allée croissante pour aller jusqu'à publier un papier que n'importe qui de mon niveau considère que c'est un faux dans le Lancet, qui est devenu le Lancet Gate. C'est transparent pour quelqu'un de mon niveau que ce n'est pas vrai. Et la même équipe avait publié dans le New England. Donc vous voyez, les journaux en réalité de meilleur niveau sont les cibles les plus choisies, bien sûr. Et donc cette notoriété en fait des cibles incroyablement fragiles. Et dans le New England, ils avaient publié quelque chose que, comme député, vous ne pouvez pas ignorer. Ils avaient dit que dedans, il y avait quoi, je ne sais pas combien d'hôpitaux français, et que pour toutes les personnes, ils avaient l'ethnicité. Et donc ça, l'ethnicité, ça n'est pas autorisé par la loi dans ce pays. Donc ça n'est pas possible. Donc on savait que ces gens étaient des menteurs. Le point d'interrogation sur lequel, jusqu'à quel point ils sont menteurs, moi, je pense que c'est entièrement faux. Et une des raisons pour lesquelles je pensais ça dans le papier du Lancet, c'est que quand ils rapportaient le sexe, l'âge, les facteurs de risque, ils disaient qu'en Afrique, on fumait autant qu'en Asie. Je vous assure que c'est pas vrai. Ils disaient qu'on était aussi obèse en Afrique qu'aux États-Unis. Et c'est pas vrai, à 0,4 ou 0,5 points près. Et c'est juste pas vrai. Voilà. Donc il suffisait de lire, et pas que le titre, si vous voulez, pour se rendre compte que c'était pas vrai. Donc ça a pris une ampleur extraordinaire. Et je reconnais que l'ampleur s'est associée à des mouvements économiques que j'avais jamais vus non plus, hein, qui sont, pour appeler les choses par leur nom, celles de Gilead, pour lequel il s'est échangé pendant cette période plusieurs dizaines de milliards d'actions et qui sont rythmées par les déclarations que ça marche ou les déclarations que la chloroquine marche ou la chloroquine ne marche pas. Donc il y a des enjeux qui sont d'un niveau que je n'ai jamais connu en ma carrière. Je ne suis pas un pigeon de l'année. Hein, donc j'ai jamais vu ça. Alors si je peux me permettre, je vais poser la question de savoir qu'est-ce qui, selon vous, n'avait pas été entendu ou écouté de la part de l'exécutif ou des autorités de gestion et qui aurait eu des conséquences défavorables. Voilà, c'est essayer de prolonger ce que vous avez pu dire. C'est, si on m'avait écouté, il y aurait eu moins de morts. In concreto, vous pensez à quoi? Si vous voulez, je pense que il a été tenté de faire une vraie évaluation de l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine, mais la mise en place de ça a été tardive, et que donc le test, mais il n'y a aucune évaluation d'essai du tout qui a été mise en place par ce conseil scientifique. C'est une faillite totale. Il n'y a rien du tout, rien. Et il arrivera peut-être quelque chose, mais quand il n'y aura plus de cas. Donc ça devrait vous faire réfléchir sur le degré d'efficacité, si vous voulez, de ce type de stratégie. C'est-à-dire quand vous n'arrivez pas à avoir de résultats du tout, c'est-à-dire vous faites au cours d'une épidémie, quand l'épidémie est finie, vous n'arrivez pas, et les résultats ne sont même pas disponibles. Moi, je serais content d'avoir les résultats de recovery. Ce n'est pas ma faute si on ne sait pas organiser les essais dans ce pays, quand même. Hein. Donc, quand même, c'est factuel, encore une fois, il n'y a qu'à regarder. Et dans un certain nombre de cas, je pense que ce n'était même pas réalisable, parce qu'il y a des gens qui voulaient inclure des malades, et il n'y avait pas de remdesivir. D'accord ? Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de disponible, parce qu'ils n'étaient pas manufacturés, d'accord. Donc tout ça, cette obsession que moi j'ai vue depuis le début d'essayer de traiter les gens avec le remdesivir, si vous voulez, est quelque chose qui de toute manière ne menait à rien, parce que même s'ils avaient réussi à montrer qu'il y avait quelque chose, de toute manière on n'aurait pas de médicaments maintenant, parce qu'il n'y en a pas. D'accord. Et donc il faut se poser la question de savoir si ça c'était vraiment purement du jeu boursier,
Est-ce que c'était juste pour faire monter la valeur de Gilead avant la fusion avec AstraZeneca? Est-ce que c'était ça, l'objectif? Parce que de toute manière, les médicaments, on ne les aurait pas eus. Est-ce que vous avez l'idée d'une raison qui fait que, quand, vous le dénoncez dans Le Parisien, je crois, quand on teste votre traitement, en fait, on ne respecte jamais votre posologie, ce qui est une aberration, parce que si on ne respecte pas la posologie d'un traitement, ce n'est pas la peine de dire qu'on a étudié ses résultats. À travers toute votre intervention, vous êtes en train de nous décrire un monde de conflits d'intérêts ou d'intérêts absolument puissants, y compris lorsque vous avez quitté le conseil scientifique et que vous avez abordé le conseil scientifique, vous avez dit que vous n'avez pas assez de temps pour participer à des couillonnades, et dans le même temps, vous nous expliquez que finalement, ces gens-là travaillent entre eux et qu'on n'avait qu'à regarder où étaient les conflits d'intérêts. Ce que dit le journal Marianne, d'ailleurs, par ailleurs, dans un article récent. Moi, j'aurais aimé que vous nous en disiez plus là-dessus. Parce que... C'est deux questions. Je pense, encore une fois, je vous le dis, donc je pense, je ne sais pas si ça fera partie de votre enquête parlementaire, moi, je vous recommande de faire une véritable enquête sur Gilead et le Remdesivir. Voilà. Si vous regardez la structure de Gilead, vous comprendrez que c'est quelque chose qui ne fonctionne qu'avec très, très peu de produits, très peu de personnel et une influence considérable. Donc l'essentiel de la stratégie est basé sur l'influence. Moi, j'ai été quand même, je vous le rappelle, moi, quand j'ai commencé à parler pour la première fois de la chloroquine, il y a quelqu'un qui m'a menacé à plusieurs reprises, de manière anonyme. J'ai porté plainte et j'ai fini par trouver que c'était celui qui avait reçu le plus d'argent de Gilead depuis 6 ans, quand même. D'accord. Donc, si vous voulez, j'ai une expérience personnelle, d'accord, de fonctionnement, qui ne me paraissent pas normaux. J'ai les mails, j'ai porté plainte officiellement à la police, on sait qui c'est. D'accord. Donc le niveau de problème là est un niveau de problème sur lequel moi je vous suggère d'être attentif. C'est pas compliqué de regarder, encore une fois, qui a des conflits d'intérêts. Vous regardez le listing, vous regardez le listing chez les infectiologues, vous regardez, on a même publié un article là-dessus pour dire, écoutez, il y a les deux tiers. Et on a même fait un article malicieux. En regardant les gens qui s'étaient exprimés dans la presse pour ou contre la chloroquine, et on a matché ça avec le nombre d'argent qu'ils avaient reçu de Gilead. Et c'est parfaitement matché. Simplement deux petites questions, professeur. Il y a des dizaines de milliers de patients qui prennent quotidiennement de l'hydroxychloroquine pour des maladies articulaires d'origine inflammatoire. J'en ai moi-même délivré pendant plus de 30 ans en tant que pharmacien. Est-ce que nous savons aujourd'hui si ces patients ont été moins atteints par le coronavirus ou non? Est-ce que ce travail a été réalisé? Et puis, ma deuxième question, je vais revenir sur l'interdiction de prescription de l'hydroxychloroquine. Nous avons auditionné, il y a quelques jours, le professeur Salomon. Je l'ai interrogé à cet effet. Il m'a expliqué que la médiatisation de l'hydroxychloroquine étant importante, il risquait d'y avoir une automédication qui était très augmentée et donc des risques inhérents. En fait, lorsqu'on décortique les chiffres, on s'aperçoit que les risques, effectivement, vous l'avez dit, ne sont pas aussi importants que cela. Mais surtout, je m'interroge si effectivement nous voulions pallier à cette automédication qui aurait pu être développée. Pourquoi à ce moment ne pas lister la molécule? Pourquoi interdire la prescription aux médecins? Et je voulais avoir votre avis. Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui l'interdiction de prescription de cette molécule par des médecins? Non, comme vous l'avez dit, c'est une molécule banale. Moi, personnellement, je vous ai donné mon avis. Je ne comprends pas que l'on puisse interdire une molécule qui a été... Et on a même vu, effectivement, des interdictions d'usage de médicaments qui sont génériqués et qui ont été distribués à des milliards de comprimés. Parce que je vous rappelle que l'hydroxychloroquine, ça a été publié par quelqu'un de la CNAM en 2019... Il s'était distribué 36 millions de comprimés sans ordonnance. Et d'un coup, on décide qu'on n'a plus le droit du tout d'utiliser ça. Donc il y a quelque chose. Donc celui qui a aidé à décider de ça, moi, je vous assure que lui, il a fait une faute. Et vous regardez les 15 premiers pays, ces 15 pays riches du groupe Europe-États-Unis, qui sont les pays qui sont les plus touchés et qui ont le plus de morts. D'accord ? C'est une vraie question. Donc c'est, est-ce qu'on sait encore traiter les maladies infectieuses aiguës sans que ça devienne ou un marché, ou un conflit politique, ou que ça rentre dans la guerre civile américaine? Vous savez bien que c'est pas moi qui fais.